La truc des astuces, c'est avec Voiture Folle Afa, bonjour. Bonjour à vous, l'ancienne Fatoumi. Vous nous donnez quelques astuces pour se débarrasser des taches grâce au bicarbonate de soude. C'est bien cela. Bonjour, chers internautes. Ravi de vous retrouver ce jeudi. Une tache qui ne part pas, un chewing-gum collé sur un tapis, un robinet entartré, rien ne sert de s'acharner dessus pendant des heures. Comment se débarrasser donc des taches grâce au bicarbonate de soude? Eh bien, amis internautes, si vous avez du vinaigre blanc dans vos placards, il vous faut aussi du bicarbonate de soude. C'est une des astuces les plus courantes pour le ménage. 100% écologique et naturel, c'est un nettoyant redoutable sur toutes les tâches. Pour ce faire, pour laver les vitres du four, par exemple, il n'y a pas mieux disponible sous forme de poudre ou de cristaux. Il doit être mélangé avec de l'eau pour former une pâte abrasive. Vous pouvez ensuite l'appliquer sur la vitre de votre four et laisser poser pendant toute une nuit. Le lendemain, il ne vous restera plus qu'à frotter avec une petite brosse, puis à retirer la pâte avec un chiffon microfibre. Rincez et admirez le résultat. Grâce à son action blanchissante et dégraissante, il fera aussi des miracles sur les vêtements tachés et le linge de maison. Parfait pour les cols jaunis des chemises blanches ou les taches de vin rouge sur les nappes. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Adifa Lafa, pour cette présentation des trucs et astuces. Dites-nous, vous utilisez ces astuces que vous venez de livrer? Oui, j'utilise le bicarbonate de soude souvent pour les ustensiles de cuisine. J'ignorais qu'on pouvait l'utiliser pour les chemises et les vêtements aussi. Comme tout le monde, d'ailleurs, moi-même, j'ignorais qu'on l'utilise pour les chemises. Merci une fois encore, tu fais la fin. On va installer à présent le panel de discussion avec Alès Kitomé, Kadia Chiro, Anel Do. Mais avant, on passe à la rubrique horoscope avec Ruth Tata.